Bradibou! Quoi? Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Quoi? Une princesse qui se transforme en une cygne. Et alors? Bah c'est incroyable quand même! Je me suis dit que ce serait sympa qu'on la rende visite, hein, pour une nouvelle aventure. Bradibou, est-ce que ça va? Tu crois que ça va? Pourquoi il faut toujours qu'on participe à des aventures vraiment stupides, hein? J'aimerais bien avoir un rôle à moi, plus important, hein, pour que j'aie ma célébrité, hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est très simple. Je dois chercher quelque chose de valeureux. Il faut que j'aie ma propre série, hein. Mais Bradibou, tu as déjà ta propre série. Quoi? Bah la série Codos et Bradibou. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais bien en plus. Non, je sais pas. Peu importe. De toute façon, franchement, me faire humilier à cause de toi et me faire humilier par d'autres raisons vraiment stupides, j'en ai vraiment ras le cul. C'est bien comme ma résolution de cet épisode et de chercher le studio pour qu'il accepte moi afin que je puisse avoir ma propre vedette, afin que je puisse avoir ma propre série. Et comme ça, les rageux peuvent avoir les têtes dans le cul, hein. Des rageux, mais personne ne déteste, hein. Non, laisse tomber, Godels, hein. De toute façon, si tu veux, je vais juste chercher le studio, un job. Comme ça, je pourrai enfin avoir ma propre série, ma célébrité, et les gens feront moi sa grande gueule, hein. Mais attends, et la princesse décide? On s'en bat les couilles. Moi, je veux avoir le respect, pas se faire humilier encore et encore, hein. Mais, Brady... C'est pas drôle quand je suis tout seul, hein. Et en plus, c'est mon frère, il ne veut pas m'abandonner comme ça. Je me sens triste maintenant. Le premier entreprise auquel j'aimerais bien être embauché, c'est bien entendu chez Nintendo. Bien évidemment, chez Nintendo, il y avait quoi? Il y avait Soleil et Lune. Il y avait quoi chez Soleil et Lune? Il y avait moi. Je suis sûr qu'ils vont accepter avec joie. Nintendo, c'est moi, Bradibou. Comment vous avez su qu'on a emménagé ici? Ça paraît pourtant évident, hein. Parce que... voilà, vous avez emménagé ici. Oh, je sais quelle raison. Enfin bref, Nintendo, j'aimerais bien être embauché chez vous. Pour quelle raison? Bah, non, mais pourquoi? J'aimerais bien avoir ma propre série dessus, hein. Ta propre série dessus, hein. Bah ouais, évidemment, hein. Quoi? Je suis navré, mais nous on fait des jeux vidéo. Défoule-moi! Et on en parle de Super Mario Bros! Ou même encore de Zelda! La version 90, 80, tu sais, quand Link n'arrête pas de dire! When excuse me, princess! Hein? Oh ça! Bah non, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes compagnies, hein! Et on a juste accepté ça pour essayer de faire une simple collaboration, hein! Et c'était pareil pour Illumination Studios avec le film Mario Bros! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, hein! Bon, si tu dégages pas, on balance la bombe Nintendo, hein! Quoi? Bah oui, vous savez de quoi je parle, hein! Dans la vidéo Panthère Rose, quand il a voulu faire des fun games! Mais de quoi tu parles? Bon, mais... Non, d'accord, je me casse! Oh. Dire que autrefois on s'amuse à balancer une bande Nintendo à tous ces rageux qui nous respectent pas. Les gens de nos jours, franchement, je vous jure. Hein. Oh, mais ils ont quoi dans leur tête? Me faire un Bradibou rodé? Non, mais je te jure, quoi. Bon, ok, il faut que je trouve une autre compagnie qui soit capable de me respecter. Hein. Alors, il y a quoi? Je sais, Disney. Disney, eux, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi, hein. Ils peuvent faire des films Marvel, ils peuvent faire des films Star Wars, et ils font des films d'animation, alors pourquoi pas moi? 2 hours later. Oh, Disney Animation Studios. Voilà l'idéal pour commencer ma carrière en tant qu'acteur. Oh, il me reste plus qu'à rentrer dans le studio et à moi la célébrité. Évidemment, il y a un garde. Gracheux? Ouais, c'est moi. Je suis le garde de cette entreprise. Tu voudrais pas plutôt dire studio? Et alors, qu'est-ce que ça peut se foutre, hein? Bon, peu importe. Vous me connaissez? Hein? Connaître quoi? Bradibou. Brady quoi? Ah oui, le Bradibou de Pokémon Soleil et Lune. Et
Omega et de Pokémon l'animé. L'animé quoi? Oh, peu importe, je m'en fous, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? J'aimerais rentrer chez Disney. Bah, c'est pour que je puisse être embauché, quoi. Comment te le dire, hein? Est-ce que tu as l'étoffe d'être acteur? Bah, évidemment, hein. Est-ce que tu as le CV? Le CV? Quel CV? Tu te fous de moi? Tu veux entrer dans le studio Disney et t'as même pas de CV? Eh ben... Pas de CV, tu n'iras nulle part. Mais enfin, je suis quand même quelqu'un de célèbre. Je suis même célèbre dans le jeu vidéo Pokémon Soleil et Lune. Qu'est-ce que... Tu crois vraiment qu'on a quelque chose un peu à foutre de ça? Comment ça? Je suis célèbre dans Soleil et Lune. Alors, ça donne raison d'entrer dans le studio. Mais est-ce que ça donne excuse le fait que tu aies un CV ou que tu n'aies pas de CV? Bah voilà. Mais je suis quand même célèbre. Mec, je te rappelle qu'il y a plusieurs brindibous. Le brindibou de Soleil et Lune, le brindibou de l'animé Soleil et Lune, le brindibou dans Épée et Bouclier. Oui, il y a un brindibou dans Épée et Bouclier, on peut l'inclure. Le brindibou dans Pokémon Légende Arceus. Enfin bref, tu peux pas entrer dans le studio, hein. Mais c'est quoi ce fantaisie de merde? Ils acceptent les brindibous, sauf moi. Parce que je suis black, c'est ça? C'est quoi cette putain d'insulte raciste, mec? Et puis de plus, ça n'a rien à voir avec la peau, mais t'as quoi dans la tête? Et t'es même pas black du tout! Et ben j'adore les... Oh, peu importe! On n'accepte pas les attardés comme toi! Je suis pas un attardé, hein! Et qu'est-ce que vous allez faire, hein? Balancer le pop Disney? Non! Shoot dans le bras des bouts! Bon débarras! Bombe Disney, non mais, et puis quoi d'abord? Allez vous faire foutre, Disney! Putain d'engrage de merde! Maintenant, il me reste plus qu'à trouver d'autres studios, hein! Mais il faudrait que ce soit un studio qui soit rentable! Oh, mais lequel? Et il y a quoi? Cartoon Network? Non! Oh, je sais! Mondo Media! Ah non, c'est vrai, ils sont réputés pour des compagnies pourries. Oh, je sais, Taco Picture! Ah non, c'est même pas mieux, c'est Disney, mais en plus moche. Nickelodeon! Je sais pas, non? Adult Swim? Non! Y'a quoi, mais réfléchir un peu! Je dois juste trouver une compagnie qui soit digne de ce nom! 3 days later. J'en peux plus, moi, ça fait des jours, des heures que j'essaie de trouver un studio digne de ce nom, mais j'ai pas réussi. Évidemment, Microsoft sont que des cons. Ils n'acceptent pas un brindibou qui est bande de racistes, je te jure. Est-ce qu'il y aurait au moins un studio qui pourrait m'accepter quand même? Qu'est-ce que... J'ai touré. Touré? Touré Animation? Ceux qui ont fait le Dragon Ball Z? Ceux qui ont fait Goldorak? Ceux qui ont fait le Chevalier du Zodiac? Ceux qui ont foutu la merde avec Sailor Moon dans les 3 dernières saisons? Alors c'est quoi? On a besoin d'un Pokémon pour créer l'aspiration! Ouais, franchement, subtil, franchement, le photographe, hein! Participez pour l'aide! Il croit sincèrement que je vais aider ces bandes de rats. Attends une minute! Pokémon? Mais je suis un Pokémon! Oh, mais c'est l'occasion en or! Justement, ça me permettra d'avoir mon occasion en or pour montrer mon talent devant tout le monde! Toi et ma chaîne, me voilà! Toi et ma chaîne, me voilà! Quoi encore toi? Tu serais pas un certain petit con de brindibou que j'avais déjà jarté l'autre jour? Ouais? Peu importe, si t'es bien un Pokémon, je dois te laisser en rentrer, hein. Mais attends une minute, depuis quand tu travailles
pas, j'ai tourné une machine. Mec, je te rappelle quand même que j'ai un emploi du temps plutôt serré, hein. Je travaille le garde en tant que chez Disney Animation Studios, en tant que chez Cartoon Network, en tant que chez Nintendo, en tant que chez Nickelodeon. Au moins, j'étais bien payé chez Nintendo, chez Disney et même Nickelodeon, mais Cartoon Network, ils me donnent même pas 100 euros, hein. Quelle bande de radins, hein. Ah, franchement, je te le fais franchement pas dire, quelle bande de cons, hein. Enfin bref, tu es bien un Pokémon dont tu veux participer au casting, hein, pour créer une nouvelle série de chez Toei Animation? Exactement! Très bien! Alors, je te laisse entrer. T'es plus sympa chez Toei que chez Disney, hein? Ok, d'accord, j'y vais, hein. Je peux être sympa, mais quand il s'agit des gens sympas, hein, mais pas des emmerdeurs de... peu importe, je n'ai pas grand-chose à dire. Quoi? Comment ça, la série est une véritable flop? Tu te fous de moi? Oh, je t'ai payé pour que tu fasses cartonner la série, parce que tu fasses flop, tu es viré. Oh, mais franchement, les réalisateurs de nos jours, franchement, ils font que des merdes par merde. Toi là, quoi? Oh, tiens, un Pokémon. Sous le nom de Bradibou. Ouais, je suis un Bradibou. Tu es venu ici pourquoi? Oh, attends, non, je crois que j'ai compris, hein. Tu es venu pour la célébrité, hein. Exactement. Oh, voilà qui en est intéressant, hein. Tu travailles ici? Exactement. Je fais des séries qui sont considérées comme des chefs-d'œuvre. Ah, avec les dernières saisons de Sailor Moon, de 90, ça a été un véritable carton, hein. Mais c'était vraiment de la merde, hein. Bon, franchement, on s'en fout du moment que ça marche. Et tu as regardé aussi Sailor Moon, hein. Les deux premiers étaient sympas, mais les derniers, c'est vraiment du grand n'importe quoi, hein. T'es pas le premier à dire ça, mais bon, peu importe. J'imagine que tu es aussi celui qui déteste un comme jeté, hein. Ben quoi, hein. C'est n'importe quoi, cet animé, hein. Tu es venu ici pour le rôle, pas pour critiquer, hein. Ah, oui. Je suis venu ici pour être embauché, hein. Vraiment? Ouais, en tant qu'acteur. Et j'aimerais bien participer à une nouvelle série, hein. Une nouvelle série, hein. Cela étant dit, on n'avait pas vraiment d'idée pour une nouvelle série. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il faudrait un Pokémon qui propose le concept d'une nouvelle série, hein. Oh, ça? Ouais, exactement. Eh ben, je me suis imaginé que ce serait moi le centre de l'histoire. Attends, je crois que grâce à toi, j'ai une idée d'une nouvelle série. Attends, je croyais que... Attends une minute. Tu trouves vraiment que mes arguments, et aussi le fait que j'essaie de montrer ma valeur à ta... T'as fait pondre une nouvelle série? Oui, ton idée est vraiment géniale. Mais je n'ai pas encore fini l'argument. Peu importe. Tu seras célèbre en arrière-temps, mon gars. Tu vas voir. Tu vas rapporter plus de valeur. Tu seras plus rentable qu'un Dragon Ball Z. Tu seras plus rentable. Et avec ça, on pourra trouver une nouvelle successeur. Hein. Parce que la dernière fois, on a voulu essayer de faire les Chevaliers du Zodiac avec la collaboration avec Netflix, mais ça n'avait pas bien marché, hein. Au bout d'un moment qu'il n'y avait même pas une fin, c'est ça? N'en parlons pas. Mais avec toi, tu seras le plus grand sauveur. Tu seras le remplaçant des Chevaliers du Zodiac. Oh putain, sa mère, ce sera vraiment cool, hein. Mon très cher Brindibou, le lendemain, tu auras ta propre série. Oh putain, ouais. Et attends une minute, comme ça, en claquant les doigts? Bah et alors? Tu m'as inspiré, hein. Tu m'as inspiré pour faire une nouvelle série, hein. Alors là, j'arrive pas à y croire. Comme quoi, il fallait pas me sous-estimer. The next morning. Oh là 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 là, j'arrive pas à y croire. Mon premier jour chez Toei. Et en plus, je suis dans la scène du studio. Oh, franchement, c'est à croire que je vais bientôt atteindre mon objectif. Mon très cher Bradibou, je te cherchais partout, hein. Quoi? Sérieux à ce point-là? Mais oui, parce que tu es le star de cette émission. À ce point-là? À croire même que je serai le sauveur et même le héros? Héros, oui. Mais sauveur, faut pas non plus un peu exagérer, hein.
Ah, tu veux essayer de dire si tu es le véritable sauveur? Oh oui, c'est vrai, tu es le véritable sauveur. De cette série? De tous les temps. Oh là là, franchement, ce poids-là. Bien évidemment, mon très cher Bradibou, tu es un véritable génie. Quoi, ce poids-là? Eh oui, ton rôle d'acteur, ton charisme, même tous les restes, toute ta beauté pourrait rapporter des tas de thunes. Que dis-je? Des millions de thunes. Oh, tu me flattes, mec, mais c'est pourtant la vérité. Surtout n'oublie pas, Bradibou, si tu réussis à faire en sorte de jouer l'acteur jusqu'au bout et que tu gardes ton sourire et que tu rapportes la valeur pour les spectateurs, pour les fans, si on oublie les fans toxiques, bien sûr. Mais bref, toi, Bradibou, tu vas faire un tas de pipi sur le couche-culotte, va même sur leur string à tous ces gens, y compris envers ces rageux, hein. Oh, mais bien sûr, parce que je suis un goth. Évidemment que tu es un goth, parce que franchement... En te voyant, je sens vraiment que le succès est à portée de main. En t'envoyant en paradis. Oh oui! Bon, bref, c'est le moment du tournage. Et n'oublie pas, Bradibou, fais de ton mieux pour jouer, pour apporter le bonheur et la passion envers tout le monde. 5 sur 5, mon gars! Bon, c'est pas tout, mais je retourne au bureau, hein. Le metteur en scène! Vous avez intérêt à bien faire le boulot, hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je sens que le moment est arrivé. Je vais tout faire pour bien faire ce rôle. Et attends une minute, il est où le script? Ah, oui, c'est vrai. On va te donner le script. Et tu as intérêt à faire tout ce qu'on te demande. Mais surtout, comme l'a dit Monsieur Krabs, tu as rapporté plus de succès, mon gars. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Une fois le premier épisode terminé. 3 weeks later. Franchement, Bradibou, tu m'épates. Tu as vraiment fait un très bon travail. Ah, je comprends, oui, ça doit être plusieurs semaines que tu as tout fait pour travailler. Et ça a été vraiment difficile, hein. Tu demandes... l'argent, c'est ça? Mais tu auras, t'inquiète pas, parce que tu as fait vraiment fait un bon travail. Oh, franchement, c'est pas la peine de dire quoi que ce soit d'autre. Tu as été vraiment performant, je veux dire, regarde le premier épisode de cette série, ça a fait un carton, rien qu'en voyant le premier épisode. Oh, je me détends vraiment bien. Oh, il n'y a pas le moindre interloupe, il n'y a pas le moindre emmerde, il n'y a pas le moindre personne qui veulent me torturer. Je me détends dehors avec de belles paysages, de belles papillons, de belles fleurs. Oh, il n'y a rien de mieux de se détendre dehors. Vous savez, les enfants dans la vie, ils vont savoir profiter de l'extérieur parce que, oh, c'est parce que ça fait du bien. Oh, on peut profiter du soleil, on peut profiter des ciels bleus, de tout et n'importe quoi. Ah, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de grave. Hein. Salut. Ah, un lion. Oui, je suis un lion. Je suis un lion. Je suis un lion. Ça, on le sait. Pourquoi tu répètes, hein? Pour que les gens puissent comprendre mon nom. Je suis un lion. Arrête de répéter ça, hein. Bon, ok, mes très chers enfants, vous savez ce qui se passe quand un Bradibou sort dehors et quand je suis en liberté? Non, y a quoi? Il se passe ça, espèce de connard. N'oubliez pas les enfants, l'extérieur c'est mal. Et faire comme Bradibou c'est mal. Sinon je vous bouffe le cul, hein. Oh, j'en peux plus. Et tu trouves ça drôle? Bah ouais, les gens ils ont rigolé ça, hein.
Et en plus, il y a des avis positifs. Regarde sur Allociné ou IMDB, il y a que des avis positifs. Tu sais très bien que tout le monde s'en branle des avis sur Internet, hein. Bah et alors, même les gens normaux ont adoré cette série, hein. C'est pas une excuse que je sois une victime, hein. Bah, quand même... Il y a quand même eu des gens qui ont aimé, donc ouais, si, c'est quand même une excuse. Non ! Ah, franchement, tu devais être content, la série a eu autant de succès, c'est beaucoup plus rentable qu'un Dragon Ball Z, et franchement, tu as même battu le record du monde, hein. Mais tout ce que je voulais, c'est être le héros, être un god, même meilleur que Son Goku, et tu me fais infliger dans une série où je suis le victime ? Franchement, Brindibou, tu ne comprends vraiment pas la valeur, hein. Même Netflix a cartonné. Attends une minute, tu as mis sur Netflix aussi ? Tu n'es pas au courant ? Mais comment ça se fait ? Bah, Netflix nous a accordé la collaboration, donc voilà. Quoi ? Bah, on a fait la même chose avec Saint Seiya et... Ça n'a même pas marché ! Et qu'est-ce que tu crois que ça marcherait, hein ? Bah là, ça a marché vu que c'est dans le top 1 depuis... Depuis un mois. Non, mais c'est pas possible. Mais ils ont carrément des goûts de chiottes, franchement, hein. Hé, hey, respecte les goûts des autres, mon gars, hein. J'ai honnêtement une véritable rancœur envers toi. Je devais avoir une série héroïque. En quoi je suis un héros dans ce genre de contexte? Bah, tu es un héros pour l'argent. Mais je veux être un héros de façon DBZ, pas de façon humiliant, hein. Tu sais quoi? Tu me laisses pas le choix, t'es viré. Quoi ? Comment ça je suis viré, hein ? Parce que tout simplement tu es un sacré rabat-joie. Et tu n'acceptes pas ton rôle en tant que victime. C'est vraiment de n'importe quoi ! Et qui vous allez vous remplacer, hein ? Devine quoi ? On a trouvé une solution de secours la semaine dernière, hein ? Tortipousse ? Oui, c'est moi. Vous avez préféré me remplacer par un tordu débile ? Bah lui, il se plaint pas, hein ? Hein ? Ça te dirait d'être un victime dans cette série ? Pourquoi pas ? Tu vois ? Alors casse-toi, je veux plus te voir. Mais je veux plus te voir ! T'es viré ! Putain de merde ! Ah ! Bon, au moins, je suis quand même content de... Qu'est-ce que... C'est quoi cette logo de... Oh putain! Later. Ah, t'es de retour, Bradibou? Ouais. J'ai vu la série et apparemment, tu as eu un sacré succès, hein? Ils m'ont viré, tout simplement parce que j'ai pas accepté le rôle de victime. J'aurais aimé être un héros. Bradibou, tu sais, peu importe ton comportement puéril, tu restes quand même un beau gars à mes yeux. Il vaut mieux qu'être un héros quand même. Être un gars brave, genre, être un gars sympa, même si t'es pas forcément le gars. Mais moi je t'aime comme tu es, hein. Je suis déjà rassure moi, c'est pas une façon gay, hein. Mais non, c'est une façon frère. Oh, tu me rassures quand même. Merci, Cuddles. C'est pas mon habitude de dire ça, mais bon. Tu sais, Bradibou, il y a une leçon morale à tirer. Il faut être content d'obtenir ce qu'on a. De quoi tu parles ? Bah, on a eu un dos de notre propre série, c'est déjà bien que rien, hein. Peu importe. Et tu avais bien dit que tu avais vu une princesse qui s'est transformée en cygne ? Ah, ça c'était il y a presque longtemps, hein. Enfin, du sens où c'était il y a plusieurs semaines. Mais j'ai trouvé mieux que ça. Quoi ? J'ai trouvé un Miasmax qui s'est transformé en lac Messigne. C'est vraiment n'importe quoi que possible. Mais en fait, je me demande comment ils vont s'en sortir chez toi. J'en ai rien à secouer, hein. Mais j'en pèse les mots, hein. Meanwhile. C'est quoi ce foutage de gueule Netflix? Comment ça, Original Series Netflix, hein? À croire que c'est toi qui as fait cette série? Mais c'est nous qui avons fait cette série, espèce d'escroc, hein. Comment ça, l'argent vient plus de Netflix que de nous, hein? Espèce de voleur, hein? C'est nous qui avons fait la série, hein? Allez vous faire foutre! Oh, je te jure, quoi. Ils ont fait les mêmes conneries que celles des Chevaliers du Zodiaque. Putain, hein? Je te jure, hein? Oh, commence quand le prochain épisode? Avec toi, ce sera un succès assuré, hein? Je te le garantis.